YouTube, Eric Le Gaug, Galago Music. Je vais vous montrer aujourd'hui un standard incontournable du rock, faut absolument connaître ce morceau. Et Joe, évidemment, la version de Jimi Hendrix. On a 1, 2, 3, 4, 5 accords, on a 2 riffs et un pont. Voilà, donc on voit tout ça dans le détail tout de suite. D'abord pour les accords, ensuite pour la rythmique, et on mixera le tout ensuite. Alors, pour les accords, le premier c'est un Do majeur. Alors, le Do majeur, j'utilise l'annulaire, troisième case du La, ensuite le majeur sur la deuxième case du Ré, et l'index sur la première case du Si. Do majeur. Ensuite, Sol majeur. Alors, le Sol majeur, moi je le fais comme ça, il y a plusieurs façons de le faire. Hendrix le prenait comme ça. C'était assez pratique pour ajouter des notes en plus. On va le faire en version standard pour l'instant. On peut faire également le Sol comme ça, mais bon, j'aime autant ça pour l'enchaînement vers le Ré. Bref, le Sol majeur. Le majeur sur la troisième case du Mi, ensuite l'index sur la deuxième case du La, et les deux doigts restants sur les troisième et troisième cases des deux dernières cordes. Do majeur, Sol majeur. Ensuite, Ré majeur. Donc là, j'ai un doigt en commun par rapport au Sol qu'on avait avant, c'est ce doigt-là qui ne bouge pas. Le majeur, lui, va se retrouver en deuxième case du petit Mi tout au bout, et l'index en deuxième case de la corde de Sol, qui a formé une espèce de petit triangle, comme ça. Donc, Do, Sol, Ré, il en reste deux. Le La majeur, alors le La majeur, il se fait comme ça. C'est-à-dire, deuxième case, deuxième case, deuxième case des cordes de Ré, Sol et Si. Alors moi j'ai pris l'habitude de le faire comme ça, en petit barré. C'est assez pratique. Par contre, quand on fait le petit barré comme ça, il faut faire attention à pas gratter le petit Mi là, parce que c'est pas hyper joli. Donc je mets le doigt un petit peu en diagonale. J'utilise le pouce derrière là pour faire un petit peu, pour choisir la position que je veux. Et en mettant l'index comme ça sur le côté, je relève un peu la pression au bout du doigt. Comme ça, je peux tout gratter. Et le dernier accord, le Mi. Alors, Mi majeur, index annulaire sur deuxième case et deuxième case des cordes de La et Ré, et l'index sur la première case du Sol. Donc, Do, Sol, Ré, La, ou La, comme ça si vous préférez, et Mi majeur. Il y a un accord qui pourra substituer celui-ci, le Mi majeur, là, c'est l'accord Hendrix, justement. Hop! Sonne assez faux, voilà, quand on n'est pas habitué à la sonorité. Il se place ainsi, 7e case du La, 6e case du Ré, 7e case de Sol, et c'est cette note-là, là, le petit doigt, sur la 8e case du Si, voilà, qui provoque ce son un petit peu dissonant, parce qu'on a la tierce mineure et la tierce majeure. Bon, bref, voilà, l'accord Hendrix, parce qu'Hendrix aimait beaucoup le jouer, mais Django Reinhardt l'avait fait avant lui, donc... Je teste pas la paternité de cet accord Hendrix. Bref. On va voir maintenant les deux petits riffs là en question et après on voit la structure. Alors, pour la rythmique, avant d'attaquer les deux riffs, on va trouver ceci à la main droite. Bas, 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 haut. Ça, c'est une mesure. N'hésitez pas à dire le nom des mouvements que vous faites. Comme ça, ça permet d'assimiler les mouvements de main droite et la voix en même temps. Après, pour placer des paroles ou chanter dessus, ce sera plus simple. Donc, bas, 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 haut. Ba, ba, haut. Voilà. Donc on a cette rythmique là sur le Do, Sol, le Ré, le La, une mesure de Mi. Voilà, et c'est là que ça devient un petit peu embêtant. Attendez, je me recule pour qu'on voit bien ce qui se passe. On va avoir le riff qui donne. Ah, on voit bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur la deuxième case du La et j'alterne avec le Ré à vide. Ensuite, le Mi à vide également. Donc, une mesure de Mi complète avec la rythmique. Ba, 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 ba. Mi, je regratte l'accord. Et le second riff, alors qu'on voit bien, je me recule un peu. Donc, j'ai fait le La à vide. Et sans regratter la main droite, j'appuie, enfin je donne comme un petit coup de marteau avec le majeur là,
sur la deuxième case encore une fois du La, et j'alterne avec le Ré à vide qui suit. Et le rythme, ce sont donc des triolets. Donc triolet, triolet. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pour la main droite, un coup de médiator vers le bas pour deux notes, le La vide, deuxième case. Et sur le Ré à vide, je le prends en retour pour avoir un mouvement comme ça de main droite en aller-retour. Ok, toute la grille depuis le début. Do, Sol, Ré, La, Mi, mesure, et c'est reparti pour un tour. Voilà, il reste juste à voir la partie du pont. Je vais me remettre en plan large, je pense qu'on verra mieux. Alors, pour le pont, je pars du Do majeur, l'accord. Je le gratte une fois, et ensuite, je me lance dans le Walking Bass, la basse qui marche, qui donne Mi à vide, première case du Mi, deuxième case, troisième case. Ensuite, deuxième case de La, 2, 3, 4, 5. Tout ça sur la corde de La. Le même schéma sur la corde de Mi, 2, 3, 4, 5. Je le refais. Do, Mi à vide, 1, 2, 3. Deuxième case du La, 2, 3, 4, 5. Deuxième case du Mi, 3, 4, 5. Et le dernier truc, quatrième case de La, 4, 5, 6, 7. Et après, moi j'aime bien balancer un Mi à vide. Et je le fais suivre de l'accord Hendrix. Voilà. Pour le doigté, je pense que c'est assez important, vous essayez quatre doigts comme ça, ça fera travailler vraiment techniquement le petit doigt qui n'est pas forcément habitué à appuyer fort. Sinon, vous pouvez au pire glisser l'annulaire. Mais bon, je pense que c'est un bon travail technique d'essayer de placer, d'avoir un placement comme ça assez propre. Je le refais une fois et après je reprendrai depuis le début de la grille. Alors, Do majeur, Mi, deuxième, case 3, 4, 5. À la suite de l'accord, là, on retrouve les deux riffs d'affilée. Voilà, donc je reprends toute la grille en mode normal, et après, j'enchaîne sur le pont. Et puis peut-être après une petite improvisation vite fait, histoire d'habiller le tout. 3, 4... qu'on a fait le tour, bossez bien. Si d'aventure vous avez envie d'avoir un peu plus d'infos ou avoir un peu plus de fioritures, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment Hendrix ou comment moi-même, modestement, j'essaye de remplir un petit peu la grille à ma sauce, histoire que ce soit pas toujours les mêmes accords en position scout. Voilà, bossez bien, j'attends vos commentaires, merci beaucoup, à bientôt. Ciao.